Hey, bonjour à tous et bienvenue pour du c'est quoi déjà? Ah oui, Project Ozone 2, c'est un modpack qu'on m'avait dit que je devais le faire et du coup bah je le fais, j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. J'ai setup un petit peu tout le besoin, hein, tout le tralala. Oh, c'est quoi ça? Alors, on se trouve déjà sur une map complètement en mode what the fuck? Looking. What? Ah ouais, c'est déjà plutôt pété comme, comme système. Bon, alors, notamment, nous trouvons sur sur une map totalement Frozen. C'est la map Frozen, justement. Frozen, ça fait très penser à Galacticraft, mais il y a Galacticraft, donc justement, c'est plutôt pas mal. Et il faut dire que ça va plutôt bien. Alors, par contre, heureusement, il y a le système de quête, de caisse, de quête. Parce que sinon, je serais perdu. Alors, du coup, bah, on a en tout cas une bonne épée déjà pour commencer. Alors, ça, c'est vraiment chanceux comme tout. Parce que c'est pas facile normalement d'avoir ce qu'il faut au début. Oh, ça, c'est pas mal. Permet de traverser, mais pas en sneak. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y a ici. Alors, la journée se passe bien. Donc, au niveau des quêtes, il y a énormément de quêtes. Il y en a 527. Donc, je pense que ça va se faire. J'alterne ce pack en fonction également du pack FTB et du LP. Voilà, histoire que vous ayez un petit peu de contenu que. Bah que tout simplement le LP que vous en bouffez 2 à 3 fois par semaine constamment. Bon, après vous avez les lives, mais ça c'est différent parce que j'avance beaucoup plus en live que normalement en record. Mais bon, disons que le live me permet plus de savoir faire quelque chose qu'en record, il faut condenser le tout. Donc, du coup, alors ici nous sommes au jour 3. Bon, le jour 3, de toute façon, c'est normal parce qu'il y avait les petits réglages à faire. Donc, au niveau de des quêtes, commençons par l'alpha. Alors, il y a combien de quêtes? Ouah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. On va commencer par l'alpha 71. 71 quêtes. Holy shit. Attends, il me demande le diamant. Ah ouais, d'accord. Clem, 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 tiens. Et choisir celui-là. J'ai quoi? C'est un basique, hein, ouais. Ah, météorite de combat. D'accord, très bien. Ça m'étonnerait qu'il y ait du combat du compas déjà, hein, faut dire ce qui est. En tout cas, c'est beau. Oh. Ah d'accord, chance, c'est que du lapis. Ok. Le chance cube, je vais le garder parce qu'au cas où s'il y a réellement besoin de quelque chose. Ok, ça c'est une orbe de dos. Très bien. Le diamant aussi que je vais garder. Donc il y a les EMC, donc il y a Project E. Maintenant, il nous demande d'obtenir du bois des skills des saplings. Ah oui, tout type de sapling en fait. Et une crafting station. Oh! D'accord, Fluxet Croups. Ah, c'est pas mal. On a la version accélérée. Du coup, il me faut du bois, du bois, du bois, du bois. J'ai des os, j'ai du sapling. Est-ce qu'on va. Ouais, on va peut-être le sécuriser. On va vraiment construire à l'intérieur en fait. Pour l'instant, je vais le construire à l'intérieur. Ça évitera les petits problèmes. Donc, c'est assez chiant à miner. Oh! Oh! Ok. Alors nous avons quelque chose en dessous. Ok. Très bien, on a déjà quelque chose en dessous, je ne savais pas. Donc ça c'est magnifique. Tac, je vais juste mettre une fucking torche.
Ouais, c'est juste à l'extérieur, donc il y a assez de lumière. Bon, je vais juste mettre la torche comme ça. Ok, il n'a pas poussé. Je vais essayer dehors. En plus, le soleil est en train de tomber. 4, 5. Voilà. Pourquoi j'ai dû... J'ai l'impression que c'est pas fluide du tout. Mais absolument pas fluide du tout. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Bon, bah comme d'habitude, au début c'est long et chiant. Hein. Alors ça doit faire pour les colorants. Chance cube, c'est pas mal. Bon, ça c'est connaissez, hein, c'est du Tinker, tout ça, tralala. Hey dude. Ok, il est parti à l'exploration, il est parti sur Mars. Ok, très bien. Bon, je voudrais juste bien que ça puisse pousser pour commencer. Hein, donc, alors c'est bien beau, hein, mais non. Blue Moon? What the fuck? Ah non, on me dit pas qu'il y a la Blue Moon. La Blue Moon, c'est le mal. C'est le mal incarné, la Blue Moon. Oh, les shit, il a poussé un arbre géant. Voilà. Oh non, on me dit pas que la Blue Moon est... Ah, getting wood, yeah. Alors, la Blue Moon, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? La Blue Moon, c'est un mode qui fait que les mobs sont 75 milliards fois plus nombreux, qu'ils sont 75 milliards fois plus dangereux, et sont que... Voilà, ils pop en quantité astronomique. What the fuck? Ah oui, il y a même des wizards, bah oui! Eh, hey, salut! Non? Non, je voudrais bien en fight un peu. Oula, 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 oula. Doucement, doucement. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah oui, hein, tu peux pas me taper, hein? Re les gens, re. Alors, il s'est avéré en fait que j'ai fait une petite pause rapidos. Sauf que, l'avantage, c'est que les mobs meurent principalement. Mais notamment, le truc con, ce que je viens de faire en fait, c'est tout simplement que j'ai fait péter un creeper près de la base. Et que le creeper endommagé. Alors, normalement, c'est un blast résistance assez élevé. Hein, là... Ah non, c'est un 0,5. Ça c'est un 6. Ok, le creeper ça doit péter au 5, je crois. De mémoire, je crois que c'est le 5 hein, qui pète. Donc le 0,5, forcément, bah il pète bien. Bon, par contre, ça me fait chier, c'est de l'éther de glace, mais j'ai beaucoup de neige du coup. Alors, j'ai des bons loots. Oh, Enderly Seed. Oh, une tourelle. Ah, cool. Ah, cool, des tourelles. Les tourelles de défense. On va juste remettre ça correctement en fait. Tac. Pouf. Et hop. Voilà. 42 blocs. Est-ce que je vais essayer de... Faudrait que je fasse en fait un gros truc autour de moi. C'est pour ça qu'une fois qu'on aura fait nos premiers objectifs, on va se faire une petite crevasse autour de la maison. De deux blocs pour que en fait les mobs ne puissent pas m'atteindre. C'est pour éviter en fait les gros soucis. Quitte à faire en fait un trou et derrière une genre de truc comme ça en fait, une muraille. Ça pourrait être pas mal. Une petite tourelle ici, ça peut être pas mal aussi. Putain, ça, c'est... Pourquoi je peux pas? Ah oui, il faut le socle. Je m'en rappelais plus que là-dessus il fallait un socle. Bon, la sirène, c'est bien beau, c'est fini, hein? Bon, ça va au niveau des eaux, j'ai ce qu'il faut, ça aussi, ça, tiens, je vais tout foutre là-dedans. Il y a des beaux bagues, tiens, en parlant de ça, il y a des beaux bagues. Il y a des bagues de base, mais beaux bagues. Enderly Seed, c'est quand même pas mal. Faut dire ce qui est, c'est quand même bien. On va se nourrir un peu.
Voilà. Au niveau de ça, du fait que je me suis déco-reco du coup, lui demande du bois. Bon, bah, on va récolter notre bois. C'est bien parce qu'après l'ambulance, on entend le train. Tudit! Alors, du bois. Tiens, on va ouvrir les bagues. Oh, bah déjà un bon petit truc. Oh, des chances. Oh, bah ça va, j'ai du bon loot, eh. Ah, des chances, carrément. Bah déjà, on a du fer, ça c'est déjà bien. Non, mais le vent, on va peut-être se calmer un peu. Du melon, des plastrons. Tiens, je vais me refaire un autre bois, une autre table, je veux dire. Voilà. Je vais foutre ça là. En fait, je vais faire un autre coffre. Surtout ça. Ah, que je puisse poser un petit peu mon bordel, en fait. Une autre chance. Ça va au niveau plutôt du coffre, je suis plutôt content. J'espère en tout cas que ça va continuer au niveau de cette chance. Je ferme la fenêtre pour éviter qu'il y ait trop le bruit en fait pour vous. Maintenant, on a de l'Ender Pearl. Déjà c'est bien parce qu'au niveau EMC on va être plutôt tranquille peinard. Donc, une table de craft, 5 saplings. J'en ai 6. Voilà, il me l'a capté. Un croup. Alors un croup, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis trop content. 64 de planches et tout ce qu'il faut après. Cependant, je vais utiliser la manière Tinker. Voilà, tiltable. Ça, c'est pour les patterns. Je vais utiliser un truc comme ça. Une hache, une pelle pour faire une matoque en fait. J'ai envie de faire vraiment la matoque. C'est celle que je trouve la plus simple de tous. Tac, je m'en refais ça. Non, je me fais ça plus ça. Une table de craft avec ça. Ça fait une tool station. Ça, c'est magnifique. Et il me faut une bûche entière. Voilà, la bûche entière avec ça pour faire une part builder. D'ailleurs, ça a compté pour d'autres choses, d'ailleurs, ça. Ah ouais, pour plus loin, mais moi je l'ai fait d'avance. Pourquoi le faire d'avance? C'est tout simplement pour éviter les petits problèmes dans la plantation. Je voulais faire un truc. Ah merde, ça le fait pas en hache. La hache là-dedans, il n'y a pas de... Ah, c'est du flint. Il n'y a pas du bois. Ah. Donc je me fasse également ce qu'il faut. Tac. Il faudrait que je me fasse un petit coffre. On va se faire un petit coffre, tiens. Hop. Hop, tac tac tac, la wooden. Tout ce qu'il faut. Si je fais ça, ouais, ça va me faire une houe. C'est pas une houe que je veux. Ah, je peux faire une hache en fer, tiens. Ouais, je peux me faire la hache en fer. Oh, oh, épée qui est déjà cheatée dès le début. Dès le début, oui, il n'y a que deux de durabilité. Ah ouais! Ah oui, une durabilité. Ouais, sinon on fait celle-là. Lol. Ouais, ok. Donc il faut passer par Tinker, hein, obligatoire. Sinon, bah non. Ou les haches. Ah non, même les haches de. Oh, c'est la merde! Ah, la loose! Ah, je pensais pas du tout que ça faisait ça, tiens, tu vois? Wooden Lumberex.
Un moon. Non, tu vas même pas me faire chier avec ta moon. Déjà que c'est l'enfer quand. Holy shit. Ah ouais, non, mais là, ça va pas le faire. Ah ouais, mais non. Je sais que c'est bien, mais c'est. Non! Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Attends, je vais essayer la lum... Non, mais la Lumber, de toute façon, il faut une. Faut une Toolstation Pro, donc non. Une hache. Une hache. Comment on peut faire la hache facilement? En papier? La haxe en papier? Ah, c'est pas con, tiens. En quartz? Non, la hache. Ghostwood. Ok, très bien. Une haxe en paper, s'il te plaît. Bon, tiens, on va taper paper. Hein. 43 de durabilité. Ok, c'est déjà un bon point. Ah oui, mais je suis pas sûr que je vais avoir assez. Attends, j'ai la... j'ai une rod comme ça. Ouais, bah attends, on va essayer. Et en bonne mille. Alors, il faut quoi? Stone, flint, bones. Ben oui, bones. Ah ben voilà. J'ai trouvé mon ingrédient fétiche alors. Ben voilà. Bon, ça fait pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que rien. Matoc. Voilà. Une toute petite matoc. Durabilité. 241. Ah ouais, ça va, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est plutôt déjà bien. Bon, par contre, je voudrais bien que la nuit arrive. On va se faire comme ça parce que sinon, elle va me saouler longtemps. Ah oui, on peut les taper. Donc. Alors, par contre, j'avais vu qu'il y avait un petit truc en dessous. J'ai un petit peu reposé tous les blocs, hein, on est d'accord. Mais ça va niveau loot, déjà au début, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, je reviens, je vais un petit peu farmer ça. Je vais me couper l'arme parce que ça risque d'être un peu lent. Ouais. Ça va être la merde avec tous ces mobs. Ça va être vraiment la merde. Donc, du coup, je reviens. Bon, religion, du coup, je vais pas vous le cacher, hein. J'ai reconstruit un petit peu ici parce qu'il y avait le creeper qui avait pété. Et je me suis fait ma muraille plus un trou qui se trouve l'autre côté, hein. Donc, je vais vous le péter. Voilà, un muraille, un trou de 3 de profonde, plus une muraille de 3 de hauteur. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour éviter que les mobs arrivent et me foutent la merde dans mon rayon, dans mon espace libre. Alors, du coup, j'ai tout fait ça. Tranquillement. Alors, au niveau des quêtes, maintenant, il nous demande, après avoir réussi à faire ça, nous demande de faire des barrels. Donc, les barrels, si je me souviens bien, déjà, il faut des slabs. Comme il m'en faut 6, c'est parfait. J'en ai 3. J'en ai 6. Voilà, une fois que j'ai tout ça, on demande ce bague-là, on est content, on a un sieve qui coûte quand même une sacrée paire. Une obsidian rod en plus. 40 000 RF par use, ok. Hop, un petit basique, un chance bonus, ça je vais les mettre dehors, celle-là, ça je vais le garder, ça. Ici, nous avons... Anti-builder block. Artefact. What the fuck? Je connais pas du tout. Donc tu vois, je vais les poser là parce que je ne sais pas à quoi du tout ils servent. Anti-builder, anti-builder block. Ok, on dirait deux trucs qui se entrecroisent. Du coup, les barrels, on va les foutre dehors parce que au cas où s'il pleut, bah on aura de l'eau. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, une fois que nous avons fait ça, nous devons avoir un Oxive. Et nous demande un Compact Giant Chance Cube.
Ok, donc déjà il me faut des arbres dehors. Ouais, faut bien que je le fasse pousser, hein. Donc on va en foutre un ici. Voilà, magnifique. Un autre là. Voilà, magnifique aussi, même s'il est petit, Osef. Un ici. Ah, lui il est géant d'un coup. Alors, il me faut des strings. Alors, pour avoir des strings, tout simplement, faites des crops. Et vous allez peut-être avoir une chance d'obtenir un, bah, des strings. Plutôt les larves, en fait, avec les strings. Enfin, pour l'instant, j'ai pas vraiment de chance, hein. Ouah, j'en ai pas eu un seul. Magnifique. Passons au deuxième. Pas sûr que je vais l'avoir, tu vois. Ah, c'est bizarre, hein? J'en ai pas un seul. Attends, je vais peut-être utiliser celui qui m'a donné parce que peut-être que voilà. Même si j'ai pas la... Ah voilà, enfin, tiens, hop, je vais te coloniser maintenant. Bon, c'est par use. Ah, j'ai pas, j'ai utilisé Preston Unpowered. Ok, il fallait peut-être que je le mette en Unpowered. Mais du coup, il est unbreakable. Unbreakable, tu te préfères. Donc ça, c'est plutôt magnifique. Donc du coup, on va attendre que lui se fasse ce qu'il faut. Obtenir 64 de Cobble. Oh. Pounce Garden of Glass. Ah oui, mais Garden of Glass, c'est de Botania. Garden of Glass. Ah, j'ai que du Botania là-dedans d'ailleurs. Garden of Glass. Ouais, j'avais envie en fait. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Attends, cobble, ça ira plus vite, hein. Ok, donc déjà ça. Holy shit! Ouais, on va pas le faire maintenant ce truc-là. Ah, les essences. Ouais, mais il me faudrait des seaux de lave, il me faudrait du fer, je sais pas ce qu'il faut. Un mur sur de la stone, oui, ou sur de la terre? Ah, bah oui, la dirt! C'est vrai, on peut obtenir tout ça, mais ça va coûter un bras. Garden of Glass. Recipe. Ouais, de toute façon, il va pas nous le donner, donc... Ah, il me faut le truc. Des Pebble, Botania, Mania, Ressources, Mana, Ressources. Ok. Du feu, ça fait de la cobble? What the fuck? Hein. Ouais, en clair, il va falloir de la terre, et cette terre, va nous falloir ce qu'il nous faut. Voilà. Alors lui il est en train de faire son petit forcing tranquillou. Moi je vais couper ce petit bois là. Non, une pousse.
Hey, on peut dire qu'il a poussé. Et voilà. Bon, bizarrement, les araignées vont venir nous faire chier, c'est tout à fait normal, hein. Ou pas. Ils peuvent pas venir nous faire chier? Ah, si. What the fuck? Holy shit! Attends, c'est moi ou je viens d'avoir un truc John Cena qui vient de popper? What the fuck? Bonjour. What the fuck? C'est quoi? C'est les creepers qui... Ah ouais, c'est les creepers. What? Mon arbre! Mon seul truc que j'ai pu avoir, il n'y est plus! Ah si, il est là-bas. Ah non, mais c'est la déception la plus lamentable dès le début. Moi. Depuis quand les araignées peuvent monter avec des... Non, les creepers peuvent monter avec des araignées. Ah, sur des araignées plutôt. Holy shit. Ok, donc bon, je reviens, je vais reconstruire un petit peu tout ça, hein, parce que c'est un peu la merde, hein, voilà. Holy shit. Ah, ne pète pas. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon. Il y a les creepers qui sont en mode je tourne autour de toi pour te sauter la gueule. Je reviens. Re tout le monde, re donc. Du coup, j'ai reconstruit le truc en créa. Hein, je me suis refait mon mur parce que j'en ai marre que ça fasse boum. Rien que le début, ça me saoule. Les deux John Cena là, qui ont pété complètement. Ça va 2 minutes, mais ça fait un putain de gros trou en dessous. Je l'ai pas rebouché en dessous. Hein. Je me suis juste rebouché la petite salle que j'avais en dessous. Mais c'est tout. Hein. Rien d'autre. Donc bah j'ai plus mon truc là. Ça va qu'heureusement j'avais rien là-dessus. J'ai deux Wither qui sont en dessous de moi tranquillement, en mode YOLO, peinard, tranquillou. Mais c'est bon hein. Voilà, ça. Ouais, d'ailleurs en parlant de string, j'en ai plein moi. Nope, voilà. Bon, parce que bon. C'est bien beau, hein, mais c'est très chiant, surtout commencer et de se faire exploser la base en 2 secondes. C'est pas que, mais ça commence à me saouler. Bon, alors, ceci c'est bon, tac 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 tac, pouf, youpi. Oh! Better Furnace? Or Processing? Oh! C'est sympa ça. Combat Giant. Ah, Combat Giant, ok. Donc on va poser le bloc. Maintenant, unlock, 12 dirt, un rubber sapling et une seed. Ça va, t'as pas plus chiant non plus comme mission. Non, je dis ça comme ça, je dis rien, mais ça me pompe un peu là d'un coup. En fait, c'est surtout qui me fait chier vraiment, c'est le fait que j'ai construit une... On va dire un truc autour et que l'araignée a pu venir. Alors maintenant, j'ai réglé le problème. Déjà, j'ai mis une couche de snow dessus, hein. Et puis, tout simplement, j'ai mis un bloc vers l'extérieur là-bas pour
pour que les araignées arrêtent de réussir à monter. En fait, ils ne peuvent pas, ils restent bloqués. Donc, j'aurais dû le faire avant, ça, par contre, mais bon. Sinon, bah, ça m'a beaucoup saoulé, hein. Déjà dès le début, me faire sauter comme ça, ça va, c'est. Voilà. En plus, j'avais fait tous mes barrels, et tous les barrels ont sauté d'ailleurs, en parlant de ça. Sinon, c'est pas drôle là. Et remet 6 barrels. En plus, les barrels, bah, il y en a plus, hein, du coup. Je vais quand même vérifier, mais. Ah non, il y en a plus, hein. Les 6 sont bien pétés, hein. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est chiant. Oh, mais qu'est-ce que c'est chiant. En fait, c'est chiant de se le faire sauter dès le début. Après, je m'en foutrais un peu, en fait, parce que j'avais. J'aurais eu largement tout ce qu'il y a eu. J'aurais eu un générateur à lave, un générateur de cobble. Ça, je m'en foutais un peu. Mais quand même, faire sauter ça au début. Nyeh. Voilà, c'est juste que ça me la fout mal un peu. Après, oui, je rage. Mais c'est une bonne cause, là. C'est pas rage parce que c'est trop dur ou quoi. C'est pour se faire sauter le truc au démarrage du jeu. Donc, bon. C'est bien beau, mais c'est chiant. Ah, bon. Ceci étant fini, un bug. Hop. Fortune cookie. What the fuck? Fortune cookie. Putain, c'est moi, je l'ai appliqué sur un bloc. The block is right slide. Ok, très bien. Ah. Sais pas à quoi ça sert, hein. Bon, les chances cubes, vu qu'on a la chance de cocu, de merde et tout ce qui s'ensuit, on va les faire péter très loin, hein. D'ailleurs, attends, avant d'y aller, je vais faire des escaliers, tiens. Oh, ça les fait par 8? Oh. Normalement, ça les fait pas par 8. Alors, oui, déjà, je retire le F7. Alors, vous voyez, hein, j'ai fait une dalle au-dessus, une dalle de plus, hein, parce que YOLO. Mais on va les faire vraiment péter très loin, les machins. Salut, Louiseur! Bah oui, hein? C'est pas comme si tu me cassais les pieds, toi, avec tes copains. En plus, en deux coups, j'étais one shot, quoi. Ah, si je t'attaque des matchs, quand même. Ouais. Allez, faisons-les. Oups. Comment on les fait péter? Oh, c'est sympatoche. Oh, c'est même très sympa, d'ailleurs. Broken. Lol. Et comment on fait pour débroquener? Attends, il est pété, on s'en fout maintenant. Jerry! Cool, ça fait des slim balls. T'imagines, tu fais popper un wither? Ah. GG Lucky. Ah, tu me pètes les couilles. Ah, c'est un faux. Ah, pff. Putain, je pensais que c'était un vrai. Oh putain, j'en étais foutu. Commencement de la map et puis rage parce que Wither. Ok. Ok. Ok, bon bah magnifique. Ah c'est de, ah c'est toute beauté hein, franchement. Attends, je vais péter en dessous.
Voilà. Non mais c'est cool, hein. C'est bien cool, c'est bien cool. Slim Ball. En tout cas, c'est pas mal ça, les chips, machin, je pourrais avoir du lait. Alors, tant qu'on va faire, autant faire les chances. Hein, les gros cubes. Par contre, je ne sais pas. Ah, me dis pas qu'il va. Ah non. Il va pas faire nuit quand même. Attends, j'ai pas la possibilité de faire un lit. Comme ça, on va faire vite passer le truc. Ça sera pas plus mal. On évitera de crever comme des merdes. Bah oui, une bonne monnaie en plus, bah oui. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, une bonne monnaie. Hein. Sinon, c'est pas drôle, hein, s'il n'y a pas de blood moon. Hein. Ah, bah oui, je suis d'accord. Ah là 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 là. Bon, ça va, c'est. Il est pas. Il n'a pas changé le craft. Ça aurait pu, hein, le craft du lit, ça aurait pu changer. Mais. En fait, là, ça va popper. Là, c'est clair et net, ça va vraiment popper. Attention, 3, 2, 1, et pouf, ça va popper. Surtout en Blood Moon. J'ai l'impression qu'en fait, la Blood Moon, il y est toujours, tous les jours. Donc, si t'as pas mis ton cercle autour, tu te fais défoncer la gueule. De toute façon, ça peut pas popper ici. J'ai mis des torches autour, hein, parce que YOLO. Non, mais ouais. Ah, bah, bise. Oh putain. Alors, nombre d'entités. 250, ok, très bien, c'est magnifique. On va peut-être éviter de le regarder quand même. Voilà, l'araignée va tomber comme une pute. Non, mais tu vas te calmer, toi. Et j'espère que les creepers vont pas repéter, par contre. Oui! Tu sais mal viser. T'es un connard. Ah oui, j'allais me dire, l'autre il est en dessous, ça va pas la tête. Qu'est-ce que je voulais faire? Avant qu'on se laisse là quand même. Attendez, on va mettre le jour parce que j'en ai marre d'attendre. Surtout pour le bienfait de la vidéo. C'est moi ou. Ils crèvent pas tous. Ouais, c'est bien ça. Ils ne crèvent pas tous. C'est le Blaze en fait qui m'énerve. Ils vont encore péter ce con si. Faudrait que je t'emmène loin. En fait, une fois qu'ils sont activés, ils explosent quand même, même si tu es loin. Ok. Quand l'air, lui, si je touche. Voilà, il pète. Ok. Donc, c'est bon à savoir que une fois que tu les touches, ils pètent quand même. Oh, mais tu vas me lâcher, toi. Tiens, dans ta face! Tu dis quoi de celle-là? Alors eux, il faut pas les activer. C'est bien, au moins on a des boules. Ouais, tu vois quand c'est par exemple la boule de neige, ils s'en tapent littéralement. Donc bon, c'est bien d'un côté, mais c'est chiant de l'autre. Oh, ça va, il y a du string ici. Il y a du string! Ah oui, il y a plus que du string d'ailleurs, il y en a plein partout. Bon, vu que les items en plus ils se baladent un petit peu comme ça. Et du blanc sur du blanc, c'est magnifique. Bon, allez! Est-ce qu'on va avoir des chances de cocu? Maman. Ah, moi je m'éloigne, hein. What the fuck?
Et je snap. What the fuck? Holy shit. Holy shit. Non, 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 non. Eh, me dis pas que j'ai fait une grosse connerie là, par contre. Il y a des particules. Holy. Holy moly. Holy moly!